Le 26 septembre, Pierre Tomps, PDG d'Energie 7 International, a reçu la médaille de l'amitié de la part de la Chine à Renning, près de Shanghai. Il s'agit de la plus haute distinction décernée en Chine aux étrangers. Cette médaille est attribuée aux non-chinois qui ont fortement contribué à la modernisation de la Chine, à la promotion des échanges et de la coopération entre la Chine et les pays étrangers, ainsi qu'à la préservation de la paix dans le monde. Pour en savoir plus sur cette récompense, nous sommes allés rencontrer Pierre Tomps à son domicile à Paris. Déjà qu'elle représente un grand honneur, parce que j'ai cru savoir que c'était en fait la plus haute distinction décernée à un étranger en Chine. Et j'en suis très fier, hein, d'une manière très, très simple. Et d'autre part, je crois qu'elle elle sanctionne deux choses. La première chose, c'est pourquoi Anning ? Anning, c'est un endroit où nous avons, avec l'UMM Codifort, réalisé un très beau projet d'implantation de sociétés françaises avec un centre de formation pour former des techniciens chinois aux méthodes françaises, de telle manière que les entreprises françaises qui s'y implantent trouvent du personnel formé comme le leur en France. Et ça a beaucoup de succès, ça a été labellisé à l'industrie du futur et au Made in China de 2025, qui sont pendant, donc ça a pris un certain aura en Chine et en France. Et la deuxième chose, pour moi également, c'est j'ai eu le plaisir de travailler avec votre pays depuis 36 ans. Hein, j'ai démarré en 1983 et sans interruption, où j'ai fait plusieurs métiers comme l'export, l'import et être consultant pour aider les entreprises françaises. Et donc je l'ai fait sans interruption depuis 36 ans et pour moi c'est une espèce de récompense de ce travail que j'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir en découvrant la Chine. Alors c'est amusant parce que moi j'ai une formation dite de marketing. Donc quand on fait du marketing, on bâtit sa vie avec certaines espérances. Là, je n'ai pas choisi la Chine. C'est la Chine qui est venue à moi. J'ai eu un de mes amis qui était un homme fantastique, qui s'appelle Monsieur Maillard, que j'ai rencontré, qui a eu une très belle histoire également. Il était simple ouvrier, il n'avait pas eu la chance de faire les études que j'ai faites. Il était devenu directeur de fabrication d'une usine de roulement à billes suisse. Et puis, sur le tard, il s'occupait des affaires internationales. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés. Et cet homme m'apprenait, en fait, tout ce que je n'avais pas appris dans les livres. Et un jour, il vient me voir et il me dit, « Monsieur Dons, la Chine, ça vous intéresse ?» Je lui dis, « Monsieur Maillard, pourquoi vous me posez cette question ?» Il me dit, « Écoutez, je vais vous dire deux choses. Premièrement, je prends ma retraite, donc j'arrête de travailler. Et deuxièmement, vous ne le saviez pas, mais ça fait 7 ans que j'ai démarré des relations avec la Chine. » Alors, il les avait démarrées de France avec une grande société qui s'appelle Machinpex. C'était une des 14 grandes centrales d'achat chinoises, société de commerce extérieur. Et il souhaitait qu'en partant, je puisse apporter une continuation. Et il me dit, je ne vous demande pas l'argent, rien. La seule chose que je vous demande, c'est de bien considérer mes amis chinois. Ce sont des gens de grande qualité. Et j'ai réfléchi autour de mes relations, je pense que vous êtes la personne susceptible de le faire. Donc j'ai été très honoré. Je l'ai immédiatement nommé président d'honneur de ma société Energie 7 International, ce qu'il est toujours. Il a maintenant 95 ans. Il est retourné en Bretagne et à chaque fois que je peux, bien sûr, je garde un lien très, très amical avec lui. Et pour le remercier, puisqu'il ne voulait pas d'argent, je l'ai amené plusieurs fois en Chine, chose qu'il n'avait jamais faite jusqu'à présent. Ça a été ma découverte avec la Chine, mais je crois qu'il y a eu peut-être d'autres raisons. Déjà, j'avais une collaboratrice chinoise, mais qui au départ était
s'occuper de mes enfants comme mes enfants sont nés. Et donc, j'ai deux filles, et mes deux filles ont été élevées un petit peu à la chinoise, si je peux dire, avec cette jeune fille qui était originaire du Cambodge, qui avait vécu à Hong Kong et qui avait l'avantage de parler, en plus de cantonais, parce qu'elle était cantonaise, mandarin, anglais et français. Et comme je trouvais qu'elle avait du potentiel, je lui suggérais de venir dans l'entreprise, alors qu'elle s'occupait d'aider une amie dans un restaurant chinois. Et je lui ai dit, vous en faites pas, moi je vais vous aider à vous former. Elle était tout à fait excellente après. Donc, j'ai eu quand même un environnement chinois. J'ai eu un deuxième environnement chinois. J'ai eu la chance, avec ce monsieur Maillard, d'être en relation avec quelqu'un du groupe Machinpex, qui s'appelle monsieur Cao Chanmin, et dont le papa avait été le vice-président du commerce extérieur, le vice-ministre, pardon, du commerce extérieur de la Chine. Et ce monsieur, qui était très intelligent, me tenait un peu au courant de ce que deviendrait la Chine. Et il me préparait en fait à des changements qui sont très vite intervenus, puisque c'était l'époque des réformes de Deng Xiaoping, du président Deng Xiaoping. Et donc j'ai eu ce privilège. Et dernière chose également sur mon côté chinois, on m'a toujours dit la première fois que je suis allé en Chine, quand on met un doigt de pied dans la marmite chinoise, on y reste toute sa vie, et ça fait 36 ans que j'y suis.华人电视连接中外，传播中国文化，讲述中国故事，打造中国品牌。最接地气的海外媒体平台。文化交流。经贸合作。旅游推介。市场开发，产品展示，品牌设计，展览策划，影视制作。活动组织、您的各种需求都会变成我们的行动，用创造回馈期待，让合作绽放精彩。华人卫视，国际品牌的舞台。